guerre de sécession élevait une barrière de haine qui séparait le nord et le sud du pays. Des deux côtés de cette barrière, de vaillantes armées se battaient et s'entretuaient. Au sud de Saint-Louis, cependant, il existait sur le Mississippi un no man's land où les guérillas faisaient rage et où des bandits ayant à leur tête des hommes tels que Luc Cottrell laissaient après leur passage un sillage de ruines fumantes, incendiant fermes, ranches et châteaux. Chevauchant à travers les plaines, revolvers et torches en main, ils dévalisaient les habitants au nom de l'armée régulière. Et à travers le Texas, la poussière soulevée par les voitures des fuyards s'élevait jusqu'au ciel. Les horreurs de la guerre chassaient les habitants de chez eux. Nous n'avons plus rien, ils ont tout détruit. Il n'y a qu'un sale nordiste pour commettre de tels crimes. Celui qui a fait ça nous a bien arrangés. Sam! Oh, Sam! Ils vous ont sûrement guetté. Ils ont dû vous voir partir rassembler les troupeaux. Ils ont pillé les ranches cette nuit, emporté un énorme butin, volé les chevaux et mis le feu à toutes les maisons. Qui ça, il? Cottrell! Luc Cottrell et toute sa bande! Bronco! Tu vas rester là, je te confierai monde. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Sam? Tu as de bons chevaux? Oui, ils ont de l'endurance. Où veux-tu aller? Je veux t'accompagner. Non, Raymond a besoin de toi. Dis-moi où tu vas, Sam. Brownsville. Le quartier général des nordistes? Et de Cottrell. Non, n'y va pas, Sam. Viens avec nous à Edenton. Abandonner, laisser tout piller sans réagir? Notre ranch est brûlé. Te venger ne nous le rendra pas. Louis, dis-lui que tu ne le suivras pas. Dis-lui de rester tranquille. Nous avons toujours marché la main dans la main. Toi, Charlie. Ça ne me déplairait pas de dire deux mots à Cottrell, moi aussi. Oh, je moque pas mal de Cottrell. Moi, je pense à vous trois. Vous avez réussi parce que vous formiez une équipe. Non sans peine, rappelez-vous, mais vous dédaignez la vengeance. Vous étiez liés par un but unique. Continuez, sinon la lutte vous séparera. Écoutez donc, restez avec nous. Il faut que nous allions là-bas, mon petit. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Tu m'as demandé de t'épouser. Que deviennent tes projets? Les aurais-tu oubliés? Rien n'est changé. Nous reviendrons tous bientôt, peut-être plus tôt que tu ne crois. Il a raison. Écoute-le, pars pour Edenton. Tandis que nous irons à Brownsville. Salut! Et ils s'en vont. Il faut nous dire adieu. Transporter. Contrebande. Boulets de canon et balles de fusil. Je l'ai fait pousser la nuit dans mon ranch pendant qu'on ne me voit pas. Je vous conseille de ne pas utiliser aussi légèrement le mot contrebande. On fusille des hommes pour moins que cela. Il transporte de la paille. Très bien, laisse-le passer, Carole. Pêchez-moi le camp d'ici. Et la prochaine fois, gardez vos petites plaisanteries. Thank you.
Doodle never fails when he decides to try, sir. We'll lick the pants off Johnny Reb, so have another ride, sir. We'll have another ride, sir. Yankee Doodle does as well as anybody can, sir. And like the ladies, he's brave in union to a man, sir. Yankee Doodle never fails when he decides to try, sir. We'll lick the pants off Johnny Reb, so have another ride, sir. Bonjour, patron. Comment va, Sam? Oui? Ce vieux Charles. Ta maison est pleine. Hein? Et où se cache Luc Cottrel? Luc? Oh, Cottrel! Oh, ce... Il est venu aujourd'hui? Je ne crois pas qu'on l'ait vu aujourd'hui. Je vais me renseigner. Jacques! Hein? Il vient ici, d'habitude. Qui? Cottrel. Lui, quelquefois. Oui. Quand il a soif, sans doute. Sam! Je t'en prie, ne viens pas faire d'histoire ici. Je ne veux pas avoir d'embêtement chez moi. T'en fais pas, Jacques. Tu n'auras aucun embêtement. Viens boire un verre avec nous. Non, une autre fois, merci. Plus tard, si ça ne te fait rien. Rose, écoute-moi. Chante Yankee Doodle. Ou chante n'importe quoi. Mais chante. Messieurs. Nos braves alliés des guérillas. Cottrel. Tu fêtes une victoire? Tu n'es pas fou de venir ici chercher la bagarre? Mais je ne cherche rien du tout. T'aimerais mieux que ce soit moi qui commence. Peut-être. Et vous vous êtes mis à trois pour ça? Non, ils ont de la patience, ils attendront leur tour. Si je n'ai pas ta peau. T'as la réputation d'avoir le pistolet vif, Davis. Je suis pas manchot. Mais on dit Charlie plus vif que moi. Hein? Et le troisième, c'est le plus malin? Oh, moi, les balles, je les mets pas dans mon revolver. Je joue aux billes avec. Si vous êtes venu pour vous bagarrer, il faudra vous battre entre vous. Je suis pas dans le coup. Enlève ton revolver, Cottrel. Thank you.
conseil. Quitte le Texas et n'y reviens plus. Je serais heureux de vous offrir un verre. Vous ne l'avez pas volé. N'accepte rien d'un Yankee. Doucement, ça. Tu vois, Jacques, tu n'as pas eu d'embêtement. N'hésitez pas, les gars. Venez dans le camp de la victoire. Tout homme digne de ce nom doit venir grossir les rangs de la glorieuse armée de l'ouest du Mississippi. Allez, engagez-vous. Signez votre nom ou faites une croix. Partagez la gloire du 7e régiment de cavalerie. Oui, engagez-vous pour voler le bétail. Et toi, costaud, tu peux porter un fusil? J'en ai un, je vous remercie. Mais il a la drôle de manie de ne tirer que dans une direction, le nord. Ah, t'es un rebelle, hein? À moins que tu ne sois qu'un froussard. Quoi? Allons, Louis, doucement, calme-toi. J'en peux plus, vous entendez, j'en peux plus. Il y a des semaines maintenant qu'on essaie de trouver une combine. Et tout ce qu'on trouve partout, à tous les coins de rue, c'est les soldats nordistes. On vit, on mange et on dort avec eux. Ils me poursuivent jusque dans mon sommeil. En voilà une idée de rêver de soldat. Moi, je rêve de jolies filles. Allons, viens prendre un verre. Non, je vais à Edenton. Pourquoi? D'abord aussi, tu ne verras que des soldats. Oui, mais au moins des confédérés. Je vais m'engager. Toi, tu veux être soldat? Avoir un grade, saluer, obéir, te mettre en garde à vous? Tu ne te trompes pas, c'est bien ça que tu veux? J'en suis sûr. Tu veux te battre et je comprends ça, mais pourquoi un uniforme? Il a raison. Et pourquoi on s'engagerait pas tous les trois? Ne nous décidons pas si vite. Mais non, vous êtes fous. Vous seriez pas dans l'armée depuis 5 minutes quand vous parlerez tous les deux. Et pour des motifs variés, refus d'obéissance, insulte à un supérieur, bagarre ou ivresse en service commandé. Et toi, tu vaux mieux que nous? Oui, mais je suis différent, vous le savez. Alors on va se séparer. C'est la première fois de notre vie. C'est la première fois qu'il y a la guerre aussi. C'est bien, Louis. Toi au moins, tu sais ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Au revoir, Sam. Bonne chance, Louis. Adieu, Charlie. Au revoir, vieux. Le voilà parti, il va vite nous oublier. Allons, dis pas ça. J'aime bien, tu sais. Lui, au moins, il a le filon. Si on jouait chez Jacques, on gagnerait peut-être un troupeau. Bonjour, cowboy. Bonjour, belle dame. Je me demandais ce que vous étiez devenu. Que peut faire un fermier quand il a perdu sa ferme? C'est exactement la question que je me pose. J'ai $50 à mettre dans le commerce. Quelle sorte de commerce? Transport de marchandises. Ça me paraît rudement bien payé. Faut au moins la transporter à Saint-Louis. Non, Pointe-Isabelle. Pointe-Isabelle? En territoire confédéré? Quel genre de marchandises? Du mobilier. J'avais apporté de jolies choses ici. Je voudrais les mettre à l'abri, c'est pourquoi je déménage. J'ai fait venir tout cela à grands frais. Tenez, cette chaise-là vient de France. C'est de l'acajou massif. À quoi pensez-vous? Je n'ai pas cessé de penser à vous depuis que j'ai échoué dans cette ville. Vous avez des joues d'une fraîcheur de rose. C'est du rouge. Je croyais que vous deviez ça au climat du Texas. Le Texas tout seul n'y arriverait pas. Je mets du rouge. C'est de là que vient votre surnom? Non. C'est parce que je suis née à Bête Rouge, en Louisiane. Je ne veux pas qu'on m'appelle bête. Non. Je comprends ça. Bon, pour $50, je consens à croire que je transporte de la cajou.
un vrai alors, regarde-moi ça. Occuper ce territoire, c'est afin d'empêcher le trafic d'armes provenant du Mexique pour les rebelles. Et je saurai l'arrêter. Je vous le demande encore une fois. Qui est votre chef? Je vous ai tout dit, mon colonel. Si vous refusez de nous dire qui vous a embauché, vous risquez d'être fusillé comme espion. Très bien, shérif. Emmenez-le en prison. Tire dessus parce que je me sauve. Bonjour, cowboy. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas content. Je n'aime pas beaucoup promener du mobilier explosif. Vous saviez que la voiture était chargée. Peut-être, oui. Qu'est-ce que c'est que ces nordistes? Ils sont devenus sudistes. $100 ont suffi. Vous m'en devez 50. J'attends votre livraison. Vous cherchez toujours un filon, cowboy? Vous avez encore des meubles? Oui, beaucoup. Des meubles rares et d'une grande beauté. Il y en a suffisamment pour meubler un ranch. L'échelle de notre ranch ne valait pas grand-chose, mais les vaches s'en moquaient. Vous étiez riche? Mon ranch valait bien $15,000 quand ils ont fichu le feu. Vous pouvez les gagner en un an. Où? De l'autre côté de la rivière. Décidez-vous, vous n'avez pas le choix. On y va? Charlie. Charlie était là pour rendre les $100 plus efficaces. 2 balles vous auraient coûté moins cher. Gardez vos balles, vous en aurez besoin bientôt. Allons, montez. En route. Charlie. Regardez-moi cette ville. Encore une guerre et elle sera la plus riche du monde. Il y a ici assez de munitions pour faire sauter Brownsville jusqu'au paradis. C'est le grand arsenal de toute l'armée des confédérés. Matamoras, c'est la porte de service du Sud. Et à qui est-ce? Brugnon importateur, le père Brugnon président. Achète en Europe et revend à celui qui paye argent comptant. Et a le cran de passer le tout de l'autre côté de la frontière. En réunissant les chômeurs en quête de boulot, on pourrait travailler sur un grand pied. Allez voir Brugnon. Et quand vous aurez réussi à vous mettre d'accord, moi j'aurai trouvé la main-d'œuvre. Très bien, venez. Oh, chérie, mon bébé, ma petite rouge. Bonjour. Assieds-toi, assieds-toi. Comment vas-tu? T'as l'air d'avoir faim. De la langouste? Les affaires d'abord, la langouste ensuite. Les affaires, les affaires. J'ai un nouvel associé, petit père. Sam Davis, Monsieur Henri Brugnon. Pas possible. Hélas, monsieur, vous arrivez à un très mauvais moment. Je n'ai plus un sou de marchandises en stock. On en a vu des quantités. J'ai de nouveaux clients, chérie. Qu'ils attendent. Mais j'ai pris des engagements. Ce sont des associés, alors, non des clients. Associés? Jamais. Je n'ai pas d'associés. Alors, tu peux servir tes amis, hein, petit père.
De vieux amis. Tout ce que tu voudras, chérie. Mais à condition que je l'ai. Alors, vous avez quitté l'entrepôt, Brugnon? Monsieur Cottrell? C'est le nouveau client sérieux? Oui. Henri et moi venons de traiter de belles petites affaires ensemble. N'est-ce pas, Henri? Et toujours avec plaisir, monsieur Cottrell. Tu travailles dans les deux camps, est-ce que je vois? Je me plais ici. Aucune armée ne vous impose la meilleure manière de tuer son semblable. Ricky! Nous sommes plus au Texas, Davis. Retourne donc dans ton pays et fiche-moi la paix. Je te fais grâce de tes conseils, Cottrell. Je te l'ai déjà dit. Je suis prêt à me battre quand tu voudras. Pourquoi serais-je en colère après toi? J'ai suivi ton conseil, j'ai quitté le Texas. À toi de suivre le mien et de quitter Matamoras. Va garder tes vaches, c'est moins dangereux. Allons, Henri, finissez de manger, voyons. Qu'attendez-vous? Hey Sam! T'as engagé ces hommes? J'ai pas trouvé mieux. Comment t'appelles-tu? Jim Marlin. Tu sais te servir d'une arme? Bien sûr. T'es prêt à t'en servir en cas de nécessité? C'est fait pour ça. Très bien. Et toi? Ted Johnson. Tu sais monter à cheval? Ma mère était écuyère. Ça va, et toi? Manuel González García de la Carina, pour vous servir. Conducteur de mule. Le meilleur. Très bien, Manuel. Slim Mansen. T'es du Texas? Oui, je suis du Texas. Tu m'as l'air de savoir jouer du couteau. Assez bien. Je t'ai déjà vu ici. Peut-être. T'étais pas avec Cottrell? Pas longtemps. Ça m'a vite déplu. Fiche le camp. C'est lui qui m'a engagé. Qui est-ce qui est le chef ici? Il a quitté Cottrell. Ne faisons pas les difficiles. Je n'ai pas confiance. Je te dis que tu as tort. C'est un brave type. Choisis-en un autre. Je veux celui-là. Très bien. Garde-le. Il a l'air d'avoir engagé une jolie bande de voleurs. Il a fait son boulot. Où en est le vôtre? Le mien? Oui, Brugnon. Est-ce qu'il nous livrera sa camelote? Oui, même si ça prend des semaines, il la livrera. Pour moi. Saurez-vous passer les lignes? Ça, on s'en charge. Vous avez une belle confiance en vous, n'est-ce pas? Gardez-la 1000 kilomètres jusqu'à Edenton. Vous savez que les patrouilles Yankees ne se baladent pas pour admirer le paysage. Ils n'ont pas l'intention non plus de faire le voyage en touriste. Roulez. Allez. Passer la frontière? Bon, y est. Tu vois quelque chose? Rien que quelques sous d'arche pour les lézards. Le soleil du Texas est trop ardent pour un Yankee. Ils doivent être à l'ombre dans le bar de Jacques. Ouais. Faut pas s'y fier, on n'y est pas encore. Allez, c'est le moment! Thank you.
doutais bien qu'il devait y avoir une bonne raison pour qu'on vous ait laissé partir à Edenton. Maintenant, je comprends ce que c'était. Servir est notre but. Mais quel plaisir de servir en combattant Cottrell. Quoi de neuf, Edenton, Louis, en dehors de la promotion d'un chômeur cow-boy au grade de sergent? Oh, il y a un monde fou. Les Jason, Bronco... Raymond? Oui, elle est ici. Elle s'est engagée comme infirmière à l'hôpital. Comment va-t-elle? Elle va très bien. C'est vous qui êtes les chefs de ce convoi? C'est nous. Eh bien, vous avez eu de la chance qu'on ait fait la patrouille. Ça va, sergent. Qu'ils entrent à Edenton tout de suite. Bien, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Non, mon capitaine. Tu es un beau sergent. Et toi, un beau contrebandier. En avant! En avant, Chiquita! En déchargez. Bien, mon capitaine. Vite, les gars, videz-moi ces voitures, déchargez-moi ça. Où est l'hôpital, Louis? En suivant la route tout droit, on passe devant. Merci. Je le savais. Je le savais. Et j'aurais parié qu'on allait s'en trouver ici un de ces jours. Je vais prévenir Raymond. Tu vas rien lui dire, je te le défends, je vais la surprendre. Va trinquer avec Charlie. Non, écoute-moi un instant, il y a une chose que je veux régler tout de suite avec toi. Je veux vous accompagner dorénavant. Tu sais que je connais la frontière sur le bout du doigt. Je suis plus capable que n'importe qui de conduire la... Ça va, Bronco, je t'engage. Va le dire à Charlie. Ouah! Raymond! Oh, Louis, te voilà. Oh, quelle ville je me faisais. Tu te trompes, ce n'est pas Louis, chérie. Oh, Sam! Sam, tu es revenu! C'est toi, Sam! Je ne pensais pas que quelques armées pouvaient nous séparer, j'espère. Tu aurais dû me prévenir que tu arrivais, j'aurais trouvé une chambre pour toi. Je sais, le grenier de Jason, une échelle comme escalier, ça te suffit? Je ne reste pas, mon petit. Tu t'en vas? On a fait passer des armes et de la poudre à travers les lignes nordistes. Nous repartons cette nuit même. Je l'ignorais. Moi qui croyais que tu venais ici... Tu sais combien tu me manques et que cette situation m'est pénible. Moi, Matamora et toi seul ici. Alors, reste. Rester à quoi faire? Rester à me tourner les pouces? Faut que je gagne de l'argent, je rachète du bétail et que je reconstruise. Ils ont tout brûlé, mais nous ne resterons pas sinistrés. Louis n'y attache pas tant d'importance. Louis n'est pas comme moi. Personne ne sait combien de temps durera la guerre. On ne peut pas vivre éternellement sans pensée, sans amour, sans tendresse. Mais je ne serai bon à rien, ni à toi, ni à personne, tant que je n'aurai pas reconstruit ce ranch. C'était pas un ranch que je voulais épouser. Je te reverrai avant notre départ. Oui. Cette fois, je crois que c'est terminé, sergent. Très bien, Daniel. C'est déchargé? Oui, c'était pas temps de faire des affaires avec l'armée. On leur vendra des boutons de culotte en sachant bien les empaqueter. Partager en trois, ça fera combien? Comment, trois? Oui. Mais Sam, tu ne me mets pas dans le coup? Cet argent doit reconstruire les trois cloches. Nous avons été trois pour l'édifier. Ton éperon emporte encore l'emblème. Donc nous sommes toujours trois. Ma parole, s'il était tué en traversant, je crois que vous vous suicideriez tous les deux. Tu t'imagines que tu es drôle? Avant de songer à partager quoi que ce soit, on fera mieux de toucher la galette. Sergent! La livraison est vérifiée? Oui, mon capitaine. L'armée des Confédérés vous remercie. On recommencera tant que vous voudrez, mon capitaine. Apportez-nous encore des munitions et bientôt nous pourrons reprendre Brownsville. Faites payer ces hommes, sergent. Bien, mon capitaine. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Payez ces hommes. Venez, les gars. Je vais vous montrer où se trouvent les caisses. Les Confédérés ne peuvent être accusés de confiscation. On fait comptant. C'est ici. Tiens, depuis quand gardent-ils leur argent dans des balles de coton? Mais c'est du bon vieux coton, monnaie légale du gouvernement. Il ne vous reste plus qu'à l'embarquer. C'est pour ça que tu refusais ta part. Pourquoi donc, ça ne te plaît pas? Qu'est-ce que nous allons faire de tout cela? Nous boucher les oreilles?
La dénommée Rouge est une folle. On aurait dû se douter qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Je lui enverrai bien une de ses balles en pleine figure. Messieurs, on m'a dit au quartier général que je trouverais ici des vendeurs de coton. Pourquoi? Seriez-vous vraiment acheteur? Oui, cher monsieur. Je m'appelle Cyril Middleton. Je représente la firme Kyra des Bondsteel de Manchester, en Angleterre. On paye en livres sterling. Monsieur, affaire conclue. Voici le coton. Oh, c'est magnifique. Et vous avez des livres sterling, vous ne payez pas en feuilles de thé. Non, non, en espèces. Mais je crains que vous ne m'ayez pas bien compris. Je paierai avec plaisir ce coton quand il me sera livré à Matamoras, au Mexique. Et le coton, ça marche? Je n'ose encore rien dire. Nous en avons des tonnes sur la route, nos voitures en sont pleines. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Bonjour, Charlie. Bon boulot. Avez-vous eu des ennuis en route? Oui, en revenant. On a aperçu une patrouille, mais on a traversé la rivière plus vite qu'eux. Avant qu'ils aient eu le temps de réaliser, on était déjà de l'autre côté. Vous saviez qui nous paierait en monnaie de singe? Une monnaie de singe, le coton? On peut le transformer en joli jupon, à moins que vous ne préfériez en faire des sacs pour nourrir vos chevaux. Tout ce que nous avons, c'est la promesse d'un Anglais que nous ne retrouverons peut-être jamais. Ah oui. Cyril, mon vieux, ils sont là. Bien. Vous êtes arrivés à bon port, messieurs. Vos livres sont là, qui vous attendent. Votre associé est rudement calé en affaires. Entrez, messieurs, nous allons régler nos comptes. Alors, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, hein? Ce vieux Cyril. Je me demande bien ce qu'il va pouvoir faire de tout ce coton. Comme il l'a payé au prix de l'or, il va l'enfermer comme un trésor. J'ai bien travaillé. Oui, très bien. Je suis une bonne fille. Oui, très bonne. Je suis une très bonne fille. Vous savez qu'à Edenton, ils espèrent reprendre Brownsville et... Beaucoup d'amour. Can make you unhappy. Too much love can leave you alone. Too many times I've had it happen. Love caught me napping. Now I'm alone. Too much time is wasted in waiting for the one who'll call you his own. That's why my heart is yours forever, complaining never again of too much love. Tu sais, mon petit, ça ne te change pas du tout de boire du champagne. Ni mieux, ni plus mal. Tu restes le même. Et tu es Sam. Attends, je vais t'en mettre une goutte sur le nez. Hey. Ça va, plus de champagne. Je crois que vous avez assez bu, vous aussi. Alors, plus de champagne pour personne. Tu sais... Toi, tu adores trop ton ranch. Vraiment? Tu aimes tout avec trop de cœur. Trop fort. Tu aimes trop fort tes amis. Tu en souffriras. Peut-être. Les trois cloches.
Tu l'aimais, ton ranch? Bah, il faisait bon y vivre. Toi, Louis et Charlie? Oui, moi, Louis et Charlie, on l'a bâti ensemble. Et tu crois que vous recommencerez? Tous les trois? La guerre sera pas éternelle. Le ranch, les amis. Il n'y a rien d'autre dans ta vie, Sam. Allons, il faut s'en aller, il est très tard. Personne? J'aurai toutes les voitures à décharger demain. Elle est belle, dit. Très belle. Sam, dis-moi si elle est belle. Venez, Rouge. La journée s'annonce dure demain. Elle l'est déjà aujourd'hui. Non, je vais rester seule ici. Ça vaudra mieux. Bonne nuit, Rouge. Bonne nuit, Sam. À ces deux hommes. Ne suis pas parti fort, Jacques. Tu vas faire ton entier. Rouge. À la bonne. Étienne. C'est un bien joli air. J'étais sûr que tu t'en souviendrais. Tu connais mes sentiments. Je suis né pas du Missouri. Rien dans ce monde n'est parfait. Le fleuve n'est pas responsable de tout ce qu'il charrie. Sam. Charlie. Je suis heureux de vous retrouver, mes enfants. Nous ne sommes plus les enfants, Jacques. On est des vieux de la vieille. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hé, hey, Sam, Charlie! Louis! Ah, c'est évident, je suis content de te voir. Vous avez finalement rattrapé l'armée. Ils t'ont donné du galon? Le lieutenant Louis Price, grand vainqueur de Brownsville. Je n'y ai pas de mérite, je n'ai eu qu'à montrer à mes hommes le chemin du bar de Jacques. Tu es resplendissant dans ce beau costume, Louis. Oui, sans notre contrebande, il serait moins doré sur tranche. Sans nous, il ne crânerait pas dans ce bel uniforme. Les gars, je suis extrêmement fier de vous tous. Aussi, tant que j'aurai un toit sur la tête et un dollar dans la poche, ils vous appartiendront. Un seul mot, ils seront à vous. Merci, Jacques, nous te sommes reconnaissants. On va prendre ton bureau pour commencer, on sera plus tranquille. Venez, les gars. Ah non, Charlie, vous n'allez pas occuper mon bureau. Et ma comptabilité, où vais-je la faire, alors? Tu tiendras tes livres à jour une autre fois. Rouge, ils veulent me prendre mon bureau. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Monte sur l'estrade et siffle Dixie. Tu t'y entends si bien. Et maintenant, parlons à fait. Tu vas aller à Matamoras, dire à Brugnon que nous lui achetons toutes les cargaisons qui lui parviendront. Va. Si, seigneur. Voilà la meilleure manière de forcer le blocus. Il n'y a que 3 kilomètres à faire. Sans risque. Puisque les confédérés nous protégeront tout le long du chemin. C'est pas vrai, Sam? Non, Charlie, je suis pas de ton avis. Nous sommes à un tournant décisif pour les sudistes. J'espère que tu as raison. Brownsville est repris. Nous allons marcher de victoire en victoire sur toute la ligne. Mais où veux-tu en venir? La bataille va se déployer de plus en plus au nord. Alors? On peut retourner aux trois cloches. Tu veux donc redevenir un fermier? Pourquoi? Cette guerre n'est pas près de finir. Jusqu'à la fin, les munitions rapporteront plus que les vaches. Et je préfère leur odeur. On ne veut pas entasser des sommes astronomiques. Qui t'a dit ça? Moi, je retourne aux trois cloches. Et moi, je reste. Qu'est-ce que tu décides? Moi, je n'ai jamais fait partie de vos expéditions. Je n'ai pas à me mêler de ça.
Diriger un ranch tout seul est un gros travail, Sam. Louis est officier, Charlie reste là. Je n'ai pas l'intention de le diriger seul. Bronco ne te sera pas d'un grand secours. Je compte pas non plus sur lui. C'est à Raymond que je pense. Ce ne sera pas la première fois qu'un homme dirigera un ranch seul avec sa femme. Tu sais ce que tu as à faire? Je peux voir Raymond? Où sont installées les infirmières? Elles sont logées chez Sally, un petit hôtel. Mes enfants, je m'en vais vous dire au revoir. J'ai des affaires à régler dans le patelin. Et maestro, accompagne-moi donc, veux-tu? I could feel their eyes, I could hear their murmured sighs. Otherwise, they continued marching by. Otherwise, they continued marching by. Raymond. Sam. Louis m'a donné ton adresse. Oh, nous n'avons même plus le temps de respirer ici. Nous sommes débordés. Tu peux pas m'accorder une minute? Deux. J'ai quelque chose pour toi. Tu as donc réussi à monnayer ton coton? Ça vient directement de Paris. Le père Brugnon m'a affirmé que c'était le dernier cri là-bas. Ah ben, ça ne sera peut-être pas très utile ici. Mais peut-être qu'un jour, le temps viendra de porter des choses idiotes et jolies comme celle-ci. À ce moment-là, tu les auras. Merci, Sam. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. J'ai autre chose à te dire. Je vais retourner à notre ranch, comme je te l'avais promis. Tu veux bien te marier avec moi, Raymond? Sam, je ne peux pas partir maintenant. Nous sommes peu nombreuses et il y a tant à faire. On a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Oh, en es-tu bien sûr? Tu ne me crois pas? Ne me pose pas de questions. Ne me demande rien. Si tu as quelque chose sur le cœur, c'est le moment de me l'avouer. Rappelle-toi notre séparation. Je te l'avais dit. Je sentais qu'on ne se retrouverait plus jamais comme avant. Oh, mieux vaut patienter. Il y a si longtemps que nous attendons, ne décidons rien encore. C'est bien, j'attendrai. Mademoiselle Miller. Est-ce que nous nous en allons? Tu veux t'en aller?
Il ne faut pas laisser Caudrel seul avec Brugnon trop longtemps. Non, ça ne serait pas malin. Je croyais que tu abandonnais la partie. Je veux en jouer une autre. Il y a un détachement qui est envoyé en reconnaissance à Brazo dimanche. Je vais avec lui. Ça peut être dangereux de Matamoras à Edenton. C'est loin, Sam, et des événements peuvent se produire entre deux étapes. J'ai des amis sûrs. Les miens le sont aussi. Quelquefois. Bonjour. Monsieur Sam! Où est Monsieur Sam? Il est au bureau, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Sam! Monsieur Sam! Monsieur Sam! Monsieur Sam! Mala noticia de Matamoros, señor Kidd. Hubo un pleito muy grande y el señor Brugnon se ha ido. Cotrel es un hombre muy malo. Cotrel lo quería matar y dice que si vamos a Matamoros, ¡pum, pum! Nos mata a todos. Cotrel, Cotrel, qu'est-ce qu'il a encore fait? Cotrel, il a voulu m'étouiller. Il ne veut plus qu'on vienne. Si on va encore à Matamoras, il a juré de nous touiller tous. T'as compris ce qu'il vient de dire? Cotrel fait la pluie et le beau temps à Matamoras maintenant. Il peut arrêter tous les chargements qu'il voudra. Cette histoire nous fiche par terre. Tant pis. Adieu les affaires. Et moi, je ne veux pas m'avouer vaincu. Écoutez, la Camelot vient d'arriver. Elle sera acheminée directement du port à Matamoras demain. Cotrel ne doit pas la recevoir. Non, tu as raison. Il faudra se battre. Pas forcément. Désormais, on fait partie de la cavalerie Yankee. Jouez bien votre rôle. Bronco, bouton de ton col. C'est assez moche de porter ce sale uniforme sans s'étrangler par-dessus le marché. Ça ne me plaît pas, Sam. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à nos fins. Si, tu n'as qu'à retourner à Brownsville. On se passera très bien de toi. Laisse-le donc tranquille. On n'aurait jamais dû l'emmener. Les voilà! Il faut qu'en moins de deux, ils soient faits comme des rats. Maintenant, nous sommes au Mexique. Vous n'avez pas les droits. Allez, pronto, va-t'en. Manuel, grimpe sur le siège, prends les rênes. Très bien, les gars, maintenant, en route. Pieds à terre, cachons-nous. Thank you.
confédérés. Leur balle tue aussi bien que les autres. N'attirez plus, on n'est pas Yankees. N'attirez plus. Cessez le feu, on n'est pas Yankees. Oh, je m'en doutais. On n'est pas Yankees. On n'est pas Yankees. Oh, tu vois, Charlie, dans quel drap tu nous mets? C'est de ta faute qui nous arrive. C'est de ta faute. Plus, on dirait. Pas dû faire ça. C'était lui ou moi? Débarrassons-nous de ses uniformes, nous sommes en territoire confédéré. Maintenant, il s'agit de décharger la camelote. Mais je ne savais pas que vous alliez arriver ce soir. Ah? Vous n'avez pas rencontré la patrouille du capitaine Jeffrey? Elle devrait être là. Non, nous ne l'avons pas vue. On dirait qu'on vous a tiré dessus. Il n'y a pas eu de bagarre par hasard? Non, non, il n'y a eu aucune bagarre. Ça ira, les Yankees, on les aura. Ça va, ça ira, les Yankees, on les pendra. Ça va, Louis? Qu'est-ce que c'est que cette culotte, Bronco? Je savais que ça finirait mal, je leur avais dit. L'uniforme Yankee, ça porte toujours malheur. Je les ai prévenus, moi, je voulais pas le porter. N'attache pas d'importance à ce qu'il raconte, lui. Il déménage complètement. Il est saoul. T'es pas fâché? T'es pas fâché, Louis? Charlie, Louis est fâché. Avoue donc, j'ai rouspété avant de mettre ce sale costume. Tu sais, Bronco, c'est dommage qu'il ne t'ait pas descendu quand ils ont tiré. J'avais raison de ne pas vouloir de Bronco. Je possédais un chien, jadis. Je l'adorais. Mais il est devenu boiteux et aveugle, et je l'ai tué. Où est donc Bronco? T'occupe pas de Bronco. Quand la patrouille sera retrouvée, Louis devinera ce qui est arrivé. T'as pensé à ça? Oui, y as-tu pensé? Les corps sont retrouvés. C'est vous qui avez massacré ces hommes. Tué Jeffrey, assassiné des gars portant le même uniforme que moi. C'est pas notre faute. Ils ont tiré, il a bien fallu qu'on se défende. Vous défendiez le convoi, oui? Vous étiez prêt à vous battre, à tuer nos hommes, n'importe quoi pour votre sale argent. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Écoute-moi bien, Louis. On ne travaille pas pour la gloire. Et nous n'avons pas l'intention d'accepter tes insultes parce que tu portes un bel uniforme sur le dos. Tais-toi, Charlie. Au moins, Charlie est logique. Désormais, je n'ai plus rien de commun avec vous, que ce soit pour les affaires ou le ranch. Ou la camaraderie. Non, ce serait trop facile. Qui me prouve qu'en sortant, tu ne vas pas aller nous trahir?
pris avec toi. Il n'aurait jamais dû t'accompagner. Mon Bronco. Mon vieux Bronco. Il faut rassembler nos hommes. On va rattraper Cottrel. À quoi ça te servira de tuer Cottrel ou de te faire tuer par lui? Je ne veux pas le tuer. Je veux le ramener de force ici. Il verra les ranchs qu'il a brûlés. La tombe de Bronco et de ceux qu'il a tués sans qu'il puisse se défendre. Ensuite, il sera pendu. Je ne t'accompagnerai pas. Bronco ne mérite pas tant d'honneur. Tu as raison de ne pas y aller. Tu as bien trop à perdre. La moitié du trafic de contrebande du Texas. Et si Sam se faisait trouver la peau en jouant les Don Quichotte, l'affaire serait à toi. Quelques hommes isolés en pleine campagne forment une cible bien vulnérable. Surtout si par le plus grand des hasards, Cottrel les épie. Dis donc, toi. Lâche-moi, écoute-moi. Tu deviendras notre chef, Charlie. Tu seras maître d'agir comme bon te semblera. Sam ne va pas pouvoir assembler ses hommes tout de suite. Tu n'as pas besoin de moi pour le moment, n'est-ce pas? Je me sens un peu nerveux. Je vais faire une promenade à cheval. Davis, ne tire pas. Te ramène avec moi, Cottrel. Tu iras t'agenouiller sur la tombe de Bronco, ensuite tu seras pendu. Écoute,
On devrait s'entendre tous les deux. Il y a des tas de choses que tu ignores. Si tu les apprends un jour, il sera trop tard, peut-être. C'est tu qui m'as prévenu de votre arrivée. Oh. Je pensais bien que tu aurais besoin de moi. C'est vrai que tu sais te servir d'un couteau. Oui. Charlie a eu vraiment tort de te laisser venir seul ici. Sale menteur. Toujours la mort de Branco. J'ai décidé de tout quitter, je n'en peux plus. Mais tu ne reviendras pas. Non, Sam. C'est seulement à cause de Branco que tu t'en vas? Tu n'as qu'à t'en servir. C'est vrai, je pourrais t'abattre. J'en ai même envie, mais après, nous n'en serions guère plus avancés, toi, Raymond, ou moi. Écoute, Sam, Louis n'y est pour rien. La seule à blâmer, c'est moi. J'étais près de lui, je le voyais partir se battre, sans savoir si je le reverrais jamais, et je priais pour lui. Alors ce jour-là, je ne voulais pas me l'avouer, j'ai compris que je l'aimais. J'ai essayé de lutter, Sam, je te le jure. Trois amis qui avaient juré d'être ensemble. Tu me prends Raymond et Charlie veut me faire tuer. Tout va bien, Sam. Oui, merci. Tu as été vite, Slim. Oui, je n'ai pas traîné en route. Slim m'a rassuré sur ton compte, Sam. Je me faisais de la bile. Ça oui, j'en suis sûr. Tu cherches quelque chose? Combien avons-nous en caisse? Je ne sais pas exactement. Pourquoi? Ça ne fait rien. Je te laisse ce qui me revient. Et la part de Louis. Désormais, tout appartient. C'est bien ça que tu voulais. Tu deviens le grand chef de toute la contrebande. Tu pourras gagner encore plus d'argent. Tu auras beaucoup de copains comme Slim qui seront capables de faire n'importe quoi pour toi. Je te félicite. Si j'étais Sam, je vous couperais la gorge avec votre propre couteau. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez être fier de vous. J'abandonne l'affaire. Je n'ai rien de commun avec vous. Non, ne me quittez pas, Rouge. Nous pourrions si bien nous épauler, tous les deux. En effet, en ce moment, j'ai besoin de vos bons offices. C'est vrai? Où peut-on retrouver un certain cowboy? Faites pas de bêtises. Il n'a plus un sou, c'est un va-nu-pied. Tout le monde ne sait pas l'être, mon cher. C'est un rôle difficile à jouer. Nous faisons une grosse gaffe. Il reparaîtra un de ces jours, il faudra agir à ce moment-là comme on devrait le faire maintenant. Qu'il aille au diable, le monde est à nous, il n'y peut rien. Proclamation. Étant donné la cessation des hostilités et la situation précaire dans laquelle se trouve le Texas, tous pouvoirs sont donnés aux Texas Rangers pour maintenir l'ordre et faire respecter la loi. Par ordre du gouverneur de l'État du Texas.
Voyons, Slim, ça n'est pas gentil. Ça leur a donné beaucoup de mal d'imprimer ces affiches. Ça n'a rien de drôle. Un garde forestier aurait le droit de mettre son sale nez dans nos petites affaires. Charlie. Bonjour Raymond. Tu es de retour? J'ai su que tu étais entré dans les Rangers, mais je ne pensais pas que tu serais nommé précisément ici. Je n'ai fait qu'obéir. Et où sont les autres? Tu es venu seul? C'est suffisant pour ici. Trop d'eau à passer sous les ponts. Tu ne viens pas ici pour qu'on se batte, n'est-ce pas? C'est bien. Si Sam n'avait pas été là, l'un de nous deux aurait disparu. Je trouve que Sam a fait des blagues. Mais lui, au moins, il a compris. Il s'est installé à Matamoras. Sage comme une image. Et il fiche la paix à tout le monde. Je te conseille d'en faire autant. Et ne te figure pas que je t'épargnerai parce que tu portes encore une cloche à tes éperons. Mais tu en portes une aussi? T'imagines pas que ça empêchera quoi que ce soit. Regarde bien. Alors va-t'en, Louis. Ne reste pas à Brownsville. Je suis ici par ordre et je ferai mon travail. Je suis parvenu à mes fins, Louis, et pas plus toi qu'un autre n'arrivera à me prendre ce que j'ai. Emmène-le loin d'ici, Raymond, si tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur. J'ai une partie à jouer à 4 heures et rien ne m'empêchera de la jouer. À bon entendeur, salut. Je serai là et j'assisterai à la partie. Ne viens pas, Louis. Sinon, je te tuerai. Entre tranquillement à l'hôtel et attends-moi. Pedro, j'en ai assez de tes boniments. José Alvarado m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui connaissait son métier. Pourquoi n'irais-tu pas le trouver? Non, Alvarado peut se débrouiller tout seul. J'aime pas ce gars-là. Dominique! Une autre. Vous n'avez pas fini et pas payé. Donne-moi ça. Va-t'en. T'en veux? Bien sûr. Bonjour, Sam. Bonjour, Raymond. Oh, je suis heureuse de te trouver. Je t'ai cherché partout. T'avais qu'à demander à n'importe qui. Tout le monde connaît Sam Davis. Tu le connais pas, Raymond, hein, Rouge? Non, nous nous sommes jamais vus. Sam m'a parlé beaucoup de vous et de Matamoras et du père Brugnon. Je vous connais bien aussi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On m'avait dit que tu étais à San Antonio, que toi et Louis étiez mariés, c'est bien exact? Oui. Est-ce qu'il est né avec toi? Il est Texas Ranger à Brownsville. Flic. Ça doit lui aller. Tu sais comme il est. Oui. Oui, je le connais assez bien. Il a besoin de toi. C'est lui qui t'envoie? Non, il n'en sait rien. Viens à son secours, je t'en prie. Pourquoi moi? Il s'est toujours débrouillé sans moi. Viens à Brownsville et parle à Charlie. Nous ne sommes pas ce qu'on peut appeler en excellents termes, tous les deux. Il a juré de tuer Louis.
suis pas sûr qu'ils réussissent. Louis sait parfaitement se défendre. Se défendre contre Charlie, Slim et tous les autres. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, Charlie t'écoutera. Tu peux éviter ce crime. Personne ne le force à être Texas Ranger. Il n'a qu'à démissionner. Il ne le fera jamais. Ça ne me regarde pas. En effet, Sam, personne ne peut te forcer. Je croyais... Assez. Tu te crois un grand héros, n'est-ce pas? Tu les tiens en ton pouvoir, tu penses avoir ta revanche. Qu'est-ce que tu comptes faire? Gâcher ta vie pour mieux te venger? Si c'est ça ton programme, il est joli. Ouais, pendant ce temps, moi je serai l'arbitre et je compterai les coups. Pourquoi détestes-tu Louis? Parce qu'il a épousé Raymond? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, qu'il se ronge le cœur? En tâchant d'oublier qu'il la voulait, la désirait, l'aimait. Et toi donc, Rose? Tu n'es même plus amoureux de Raymond maintenant. Ce serait au moins une bonne excuse. Veux-tu me dire à quoi sert de rester vautré auprès de ta bouteille à ruminer ta haine? Ne me parle pas de lui, ni d'elle, ni de personne. Tiens, oublie-les toi-même. Mais ne compte plus sur moi. Louis est ton ami, il ne pouvait pas agir autrement. Malheureusement, je n'en dirai pas autant de toi. Parce que je t'ai dit, Sam, je ne voulais pas te faire de mal. Tu as raison, Rouge. Tu as raison sur toute la ligne. Je vais retourner à Brownsville. Je ne peux plus détester Louis, ni même Charlie. Même s'il faut se séparer, il est inutile de se tirer dessus et de s'entretuer quand on a été de vrais amis. Oh, Sam! Tu n'as eu tort que sur un seul point. C'est pas la haine qui me retenait ici. Tu n'as pas d'autre nom que Rouge? On t'appelait comme ça même quand t'étais gosse? Non. Quel est ton vrai nom? Charlotte. Charlotte. C'est un bien joli nom. Alors retourne faire ton numéro, Charlotte. Mais je veux une chanson pour moi seule, mon retour. Ne fais pas attendre trop longtemps, Cobray. Et reviens-moi vite. Oui. Bonjour, Louis. Bonjour, Sam. Tu avais l'intention de te promener? Oui, le temps a l'air de s'assombrir un peu, mais j'en avais l'intention. Tu permets que je t'accompagne? Tu n'as pas peur qu'il pleuve? C'est Sam. D'où sort-il? Il n'a rien à faire ici. Il n'est pas de cet avis-là, mais il va voir qu'il a tort. Les gars sont prêts, ils n'attendent que tes ordres.
C'est au type derrière la fenêtre qu'il faut faire le signal. Alors, qu'est-ce que tu attends? Enfin, qu'est-ce qui t'arrête? Donne-leur le signal ou je le fais. C'est moi seul qui commande ici. Eh bien, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est le tintement des éperons. Les trois cloches ont brûlé, c'est fini. Bon, c'est bien, ne t'en mêle pas et regarde, je vais prendre soin de tes amis. Jamais le nom de ton ranch, Sam. Non, Charlie. Ce sera toujours le ranch des trois cloches. Madame Davis, quel travail en perspective pour nous. Pour bien faire, il nous faudrait deux garçons pour nous aider. À trois, on ne serait pas trop. Si tu as un peu de patience, je tâcherai de te les donner. Allez, Hugues!